mon film sera grand film. Très grand film. Chef d'œuvre, comme en Allemagne de l'Est. Sophie André, raconte. Alors, le film raconte les amours tumultueuses d'un psychiatre bosniaque avec ses deux sœurs jumelles, juives et lesbiennes. Le psychiatre est un ancien nazi qui a perdu un œil sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très post-freudien. Oh, tabarnak. Quant aux deux sœurs, Olga, elle, est atteinte du sida. Elle est clitoridienne et unijambiste. Gerda, elle, est plutôt vaginale. Et elle va lentement devenir bisexuelle et morphinomane. Oh, tabarnak. Alors elle a pris un jeune amant afghan. Très beau, très musclé, très, très riche, très, très tout, quoi. Tabarnak, tabarnak. Et elle a pris cet amant justement parce qu'il était chiite, pour faire chier le psychiatre. Alors l'action se déroule dans une usine désaffectée des bas-fonds new-yorkais et à bord d'un cargo kosovar, ancré au large de l'île de Java. Au cave. Et c'est là qu'intervient Elvis Wong. Il est devenu lutteur de sumo. Alors, au contact de tous ces corps empreints d'une virilité ambiguë, Elvis Wong découvre son homosexualité latente. C'est un film qui s'intéresse enfin au vrai problème du 21e siècle. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Là, les critiques vont être contents. Ils vont mouiller le canson, hein? Tabernacle! Tabernacle!